Bonjour tout le monde! Bonjour! Aujourd'hui, on va choisir les tissus pour recouvrir notre canapé et nos banquettes de table de salle à manger. Effectivement, ça en prend des nouveaux. Hein. Premier arrêt! Paquette textile! Que dites-vous de ces coussins? Est-ce qu'on garde cette fourre ou est-ce qu'on essaie de rechanger pour revenir à des couleurs un peu plus neutres? On sera assez pour retourner vers le beige, un peu comme le siège de devant, parce que ça, clairement, on peut pas changer à moins de le recouvrir. Du coup, on se rend compte que peut-être que sous le drap de fortune, il y a peut-être quelque chose qui se cache. Non, je pense que... C'est pas très joli non plus. C'est pas mieux. Quelle horreur. Finalement, tu viens d'arracher le truc, là. Tu viens de l'écraser. Oh my god, on dirait un cachalot. Voilà la couleur d'origine. Ah ouais, bah, ils ont bien fait de recouvrir ça, hein. Ah, ils avaient vraiment pas de goût. Bon, bah, on va réfléchir, hein. Ça pourrait être ça ou ça. Un choix. Mais au moins, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà les dimensions. Exact. Aujourd'hui, on a trouvé notre tissu et on nous l'a donné comme ça, bien plié dans un sac. Donc, j'ai fabriqué un gros rouleau avec 4 rouleaux de papier ménage. Ah. J'ai les bras en compote. C'est lourd, ce tissu. On arrive au bout. C'est parti. Et voilà. Bravo. Un beau 9 mètres de tissu enroulé. Parfait. On a payé 45$. 5$ le mètre. Une bonne affaire. Donc voilà mon bureau sur la route pour les prochains mois. Là, il y aura mes écrans d'ordinateur, si ça va très bien. Il se visualise déjà dans la place. Ouais. Et moi, je serai là, sur le canapé. Je regarde les travaux qui ont été faits sur le véhicule et puis pour un peu anticiper combien ça pourra nous coûter. Donc c'est bien, il y a toutes les factures. On les avait changé les freins avant, changé les galipers avant gauche et droite, changé le cil de roue arrière gauche, ajusté la pression des pneus, enlevé l'air du système de freinage et ses routiers. Ils avaient cassé le windshield une fois, ça il faudra faire attention. Ils ont reçu une roche, ça leur a coûté 2170$. Mmh. C'est bien là? Ah, c'est trop bien. Top. Aujourd'hui, on est à Rona et on cherche de la peinture. Yeah, on a trouvé la teinte de blanc qu'on veut. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle couleur est-ce qu'on choisit? Je suis en train de regarder toutes les couleurs de Canadian Tire. Puis, wow, il y a du choix. Hein. Là, je suis en train d'étudier les blancs. Voyez-vous, de là jusqu'à l'autre bout, c'est tout des teintes de blanc. Donc, j'en ai pris quelques-unes, voyez-vous. Il y a quand même des petites différences entre chaque blanc. C'est assez fou. Là, j'en ai trouvé un autre aussi qui s'appelle blanc concombre. Donc, il y a des noms assez fous, hein. Coquille d'œuf, sel de mer, plume tendre, poussière de pin. Enfin, voilà, il y a du choix. Donc, je suis pas sûre qu'on soit arrivé au bout de nos peines. Ça va, Raph ? Pour trouver. Il faut aller dans un magasin spécialisé. Bon, hop pour nous. Et nous voilà dans les repousses moustiques. On choisit l'option, apparemment ça fonctionne bien, thermassage. Quand on est en camping, ça sera pratique quoi. Lequel tu préfères? Bon, ça se porte, puis ça se pose. Non? C'est ça. Bon, on va prendre celui qui se porte, comme ça on peut marcher avec. Parfait. Beaucoup mieux? Yes. Et un achat, hein? Alors aujourd'hui, on est allé à Dollarama et on a fait nos premiers achats pour le VR. D'abord, un sac à linge. Un beau t-shirt de touriste, un top, comme ça on fera le couple kitsch qui se balade. Une petite lampe à poussoir, donc on appuie dessus, puis ça s'allume, on verra si c'est de la camelote ou pas avant d'en acheter plein d'autres. Des petits moules à glace. Ensuite on s'est pris des ponchos waterproof, des allumettes. Aux toilettes, au lieu de mettre du produit pchit, on allume une allumette et hop, il n'y a plus d'odeur. Ensuite, on s'est acheté 2 bacs parce qu'on a l'intention de repeindre les murs de notre VR. Dans notre petit délire, on a acheté un caleçon pour homme. Mais moi, je me suis pris une petite trousse hein, parce que c'est bientôt la fête du Canada, le 1er juillet. Ce sera aussi nos 3 ans avec Raphaël. Des petits lipsils Labello beurre de cacao Nivea. Des piles pour mettre dans la lampe. Des petits nœuds pour les cheveux, comme j'ai déjà là un élastique, c'est super super pratique, avec des belles couleurs pastel. Encore des piles, un petit stylo bille avec un diamant dessus. Voilà, donc ça c'est tous nos achats d'aujourd'hui à Dollarama. On va forcément devoir y retourner, on a beaucoup de choses à acheter. On se réjouit de vous montrer la suite. Voilà, Raphaël est en train de tester des collants pour pouvoir mettre de la déco dans notre VR. Il n'a pas trop compris qu'une casserole c'est pas vraiment une déco, mais
Comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Apparemment, ça tient bien. Ça peut même devenir une étagère, si on veut. On a essayé de le décoller, on va rire. Parfait, et aucune marque. Il faut juste le tourner comme ça. Non, c'est un très bon achat. Il est où le collant, là? Sur Amazon, là, ce petit truc-là. 2 pouces sur 2 pouces. Pour les francophones, c'est 3 cm sur 3 cm. Les francophones, sympa, les Québécois, alors c'est quoi? Et pour les Européens, voilà. Mais je peux même vous coller ça sur ma tête. Non, ça tient pas. Tout bad. Bonjour! Hello! Aujourd'hui, on va enfin rechercher notre VR chez le mécanicien qui a passé une semaine à s'en occuper. On espère qu'on va le retrouver tout beau. On est pressé et Raphaël est sur son téléphone. Let's go! Ça fait mal au cul, hein? Refusé, on est pauvre. Sortie du garage avec la facture, hein, c'était fallait le faire, mais 1 700 $ quand même. Pardon, j'ai rien des foins, on dirait que je suis allergique hein, à la facture. 1 700 $, pauvre mais heureux. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais, Raph? Je plaque le VR. Montre-moi cette plaque. Une plaque du Québec. Ouais. Wouh. 23. Ça, c'est beau. Première fois au volant? Ouais, j'ai un petit peu peur là. Ça va bien aller. Tu vas pas trop vite? Il fait juste 9 mètres ce véhicule. Fais un petit tour de quartier avant de prendre l'autoroute, mon cœur. On se voit à la maison. Bon voyage! Wow, ça ronronne! Au revoir! Faut pas être pressé avec un véhicule comme ça. Hein. Alors? Premières impressions? Non, c'est correct. Ça tangue pas mal. Il faut s'y faire. Mais sur une route tout droite, ça devrait aller. Et le bruit? Le bruit. Est-ce qu'on va survivre? Telle est la question. Et voilà notre chez-nous qui sera bientôt plus chez nous, notre belle voiture avec nos autocollants de spectacle. Et notre appartement en haut à droite, on voit un bout du hamac. Super appartement, on a des gens qui viennent visiter là. Ça se vend comme des petits pains ces nouveaux appartements. Et voilà, nous sommes chez nous, pour le moment. Vous ne me direz pas que le ciel n'est pas malade ici, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on a hâte d'être dans la nature pour le voir sans avoir les autos en dessous et les bâtiments. Ouais. La civilisation partout. Regardez-moi ça, ce rose. Et encore, c'est encore plus beau en vrai qu'en vidéo. Après l'effort, le réconfort. Et ben nous, on prévoit le réconfort avant l'effort. On s'arrête au café Taché pour s'acheter des pizzas. Comment faire payer à son chum la pizza? En lui disant qu'elle a oublié son porte-monnaie. Allez, tiens, on prend, chérie. Merci. La bonne odeur de pizza dans la voiture. Et voilà notre VR qui arrive chez mon cousin Olivier et ma cousine Geneviève, et mes petites cousines Viviane, Maud et Camille. Parking réussi. Ça sent le gaz. Voilà la belle pizza. Et j'ai apporté des petites herbes fraîches, du basilic frais et de la menthe fraîche. Oh. Heureusement qu'on va refaire le plafond. Et on va refaire le plancher aussi apparemment. Faut bien que ça commence à sentir un peu l'alcool dans ce véhicule. Hein. Ces petits vieux, ils étaient trop sages. Santé. Quoi? Mon cœur, je suis très content de vivre ça avec toi. Moi aussi. Quelle tranche prendre? Celle avec le plus d'ananas, je pense. Il n'y a pas beaucoup de bacon. Peut-être celle-là. C'est dur comme choix. Hein. Celle-là, il n'y a pas beaucoup d'ananas. Oh. First world problem. Mais t'es pas gentil. C'est moi qui ai commandé, je suis ravie. C'est Ali qui nous a fait découvrir Taché. Déjà c'est plus chaud alors. Allez, go. Bien manger. Attaquons. Il manque le bout. Le bout. Le bout c'est le meilleur. Ah. Viens manger.
Changement de la première ampoule pour une ampoule LED. Vieille ampoule incandescente. On va les remplacer par des ampoules LED. 10 ampoules LED pour la consommation d'une ampoule incandescente. L'ampoule incandescente. Ampoule LED. Oui. Heureusement que j'ai pas versé le champagne. Hein. Tu vois, on a pas besoin de faire les cons. 10 ampoules LED pour la consommation d'une ampoule incandescente. Voilà, c'était le contraire. Comment faut regarder. Mais les gars, ils kiffent déjà ses fans. Quoi. Et on va où, Raph? On va dans un magasin de tissus. Tu sais plus le nom? Non. Ok, super. Gros échec. Bon, c'est bon. Raph. Attends, faut que je reconnaisse ça quand même. Bonjour. Hello. Aujourd'hui, on va enfin rechercher notre VR. Bon, moi, si t'arrêtes le moteur. Ok. Bonjour. Hello. Aujourd'hui, on va vraiment re... Oh, j'arrive pas. Yes. On refera, mais...